Coucou, c'est Florence de Chouette Fantaisie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je voulais vous montrer un envoi que je faisais donc pour ce que j'allais faire, pardon, pour une amie. Donc, c'est un échange. Voilà, je vous ai montré. Ou alors, vous allez à suivre. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire. Soit je vous ai déjà montré les petits tutos, soit vous allez avoir à la suite ces jours-ci. Voilà, je vais y arriver. Donc du coup, c'est une embellishment box avec un échange de memory card et puis une petite carte évidemment pour accompagner le tout. Donc la petite carte, la voici avec un petit nounours, c'est tout mignon. Moi j'aime bien le petit mot bonheur. Donc je vous ai fait un tuto donc d'un autre parce que là c'est un dies de chez AliExpress, non. De chez Action. Et là, pour le tuto, m'en suis servi d'un autre et ça fait très bien aussi. Donc voilà. Donc voilà la petite carte avec le petit mot. Ensuite, la petite carte Memory Dex que j'ai déjà mis sous plastique. C'est pareil, vous allez avoir le petit tuto. C'est pas un tuto, c'est plutôt voilà, je vous montre comment je fais mes petites cartes. Alors, j'aurais bien aimé mettre un peu de glossy accent. Voilà, pour mettre par exemple sur quelques petites feuilles, mais j'en ai plus, donc voilà, il faut que j'en rachète. Donc ça, c'est la petite memory card avec mes coordonnées à l'arrière. Et ensuite, avec du coup, la collection Minted by Carola, Dear Diary, c'est cher journal, voilà, de ma DT, donc de la boutique, pardon, Scrap D. Donc j'ai fait avec les chutes la petite memory card et j'ai fait aussi l'embellishment box, voilà. Alors j'ai mis des petites choses en relief, vous pouvez voir. Hein. Petite machine à écrire, quelques petites fleurs. Là, c'est pareil. J'aurais bien aimé mettre un peu de glossy accent. Mais bon, voilà, j'en ai plus, j'en ai plus. Là, c'est un petit cœur en bois. Et une petite fleur comme ça en tissu. Bon, elle est toute simple. Mais au moins, voilà, j'ai utilisé toutes les petites chutes de papier. Je n'ai plus rien. Si je dis des bêtises, voilà ce qui me reste. Voilà. De ma collection, j'ai refait des petits supports de cartes comme ça, donc c'est pas gâché, mais voilà. Voilà ce qui me reste. Voilà. Voilà. Donc je crois que j'ai bien utilisé celle-ci. Bon, ça, je vais pas le jeter évidemment. Je m'en servirai peut-être pour autre chose. Bon, ça, franchement, honnêtement, voilà. Ça, je jette. Donc voilà. Alors. Voilà la petite embellishment box. Donc ici, j'ai fait une pochette avec des petites étiquettes, oh, des petites cartes comme ça de la collection. Pas trop que je les enfonce. Ouais, voilà, celles-ci sont pas trop enfoncées parce que j'ai mis du double face. Et il colle bien le double face. Donc quand on enlève les cartes, ça fait comme ça. Il est vraiment super beau ce papier. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà, là j'ai collé pareil un petit oiseau avec une petite fleur comme ça. Voilà, et dedans, alors, on va faire ça comme ça. On va commencer par ici. Donc là, j'ai mis deux petites sucettes comme ça que j'avais faites. Vous allez retrouver le tuto. Sur ma chaîne, là j'ai mis un petit tampon de fond, voilà style. Alors moi je vois ça du capitonnage. Maintenant on peut le voir comme on veut. Une petite, un petit paper clip comme ça, rose gold avec un cœur. Pardon. Une petite enveloppe avec un cœur et des petites pinces comme ça. On peut rajouter une fleur, voilà, pour faire des petits paper clips. Voilà, hop, on va essayer de ranger petit à petit, comme ça sera mieux. Ici, j'ai mis tout ce qui était un peu fil dentelle.
Voilà, j'ai mis ça, des petites applis comme ça. Je sais qu'elle utilisera un petit cœur. Des petites feuilles, des petites fleurs comme ça. Voilà. Ça fait un peu jaune saumon. Et voilà. Et un petit... comment on appelle ça? Je sais plus. Petite cartonnette, je sais plus comment on appelle ça. Avec de la dentelle et puis une petite pince. Ici, j'ai fait un petit embellissement comme ça. Voilà, tout bête. Avec ce genre de petit cadre. Voilà. Un petit cadre comme ça en résine. À des petits cadres en bois, des petits embellissements bois comme ça, et un petit badge. Hop. Et ici, j'ai mis des fleurs en tissu. Voilà. Là, j'ai fait un petit tas comme ça, c'est pareil, je vous ai fait un petit tuto, mais bon. C'était pour un petit peu mettre des nouvelles vidéos sur ma chaîne parce que franchement là il n'y a rien de difficile, mais bon voilà, c'était pour faire des petits coucous en fait. Là, des petits cœurs comme ça, comme on approche de la Saint-Valentin, voilà. Et là, des petites fleurs comme ça en résine. Voilà, ben, j'espère que ça lui plaira. Et puis moi, je vous montrerai certainement ce qu'elle m'a envoyé. Donc voilà pour le petit envoi. Je trouve que ça fait un ensemble assez sympa, ma foi. Je trouve ça bien mignon. Une petite vidéo rapide pour vous montrer ce que j'ai fait en complément du superbe colis que Corinne m'a envoyé, parce que je me trouvais vraiment un peu ridicule avec mon envoi. J'avais rajouté des petites choses, mais vraiment, voilà. Donc, du coup, je lui ai rajouté des petites, du papier, en fait, de collection Prima. Donc ça, c'est Love Story. Voilà. On en a une de chaque. Et celle-ci, elle est en... Celle-ci, elle est en 20-20. Voilà. De la même collection, des petites cartes comme ça, de journaling. Voilà. Pour mettre dans des endroits. Moi, je sais que je marque des mots derrière. Voilà. Elle en a quand même pas mal. Ensuite, j'ai mis aussi la nouvelle collection Farmer House Spring, un truc comme ça, enfin voilà. Donc, voilà, elle m'a dit qu'elle ne les avait pas. Je sais qu'elle aime bien les petits lapins. Toujours en 20-20, voilà. Pour aller avec cette... Pardon, cette collection, j'ai lui ai préparé un petit mélange de fleurs comme ça que j'ai reçu avec le petit calque. Voilà, pour ça se marie bien avec cette collection-là. Ensuite, une autre collection, je lui ai mis celle-ci, c'est la Midnight Garden. Voilà, vous allez avoir le hall. Voilà, donc une de chaque. Super ce papier. Et du coup, pour aller avec cette collection, je lui ai fait pareil. Un petit ensemble comme ça, j'ai pris différentes fleurs des paquets différents. Voilà, pour aller avec la collection, des petits chipboards en bois comme ça, imprimés, ils sont très, enfin imprimés, tamponnés. Ils sont très mignons. Voilà, ensuite je lui ai préparé des petites bobines comme ça de pompons. Voilà, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je lui ai mis un petit tampon que j'avais en double de chez Prima. Voilà, il est très joli ce tampon. Un petit sucre d'orge Gorgeous. Voilà. Et comme elle aime les petits lapins, voilà, j'avais trouvé ça. Alors on fera ce qu'elle voudra. Hein. Je trouvais ça mignon.
Et puis, ça c'est pareil, je l'avais, je crois que je l'avais eu en triple et je l'avais commandé qu'une fois. Donc voilà. Une petite châle comme ça de Prima et c'est la Tille Damasque. Voilà, bon, j'espère que ce petit colis lui plaira en supplément parce que franchement j'avais l'impression d'être ridicule par rapport à son emploi et j'aime pas ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit supplément de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!